Bon, on est parti pour une petite trace, environ 17 km. C'est sur les traces de la Bonnac Extrême, pour ceux qui connaissent. Donc je ne la fais pas entièrement. J'en fais une partie. Je ferai l'autre partie une autre fois. Et puis pourquoi pas la faire entièrement après. Bon, petite dédicace à Samuel, Thomas et Vincent, comme ça tous les trois, vous êtes dedans. Allez, c'est parti. Pas mal de gros cailloux. Hein. C'est un intérêt d'ouvrir l'œil ici. Pas terrible là, sur le GPS, hein. Je me fais un peu avoir. Alors là c'est mi-cailloux, mi-hautes herbes, un petit branche en plein milieu. Oh 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 oh. Alors, on négocie ça bien. Alors dans la descente forcément hein, j'ai pas pu trop trouver mon chemin. Ah putain, ah, c'est tout en haut. Ouais c'est pas grave. Il me suffit de monter ce qu'il y a devant là, à droite là. Donc on va monter tranquillou et on devra récupérer ma trace. Bon, c'était pas prévu. Hein. Mais petit entraînement à la Rigetti pour ceux qui connaissent. Bon, nous revoilà sur la trace. Non sans mal. Ça a été un sacré chantier. Bon, pour vous expliquer ce qui s'est passé. Dans la descente, c'est un peu compliqué de trouver son chemin sur le GPS. Donc bah, j'ai pris une trace, mais pas la bonne. Donc là, on est de retour sur la Bonnac Extrême. Et puis voilà. Que ça parle. Mon Dieu. Bon, enfin mettre les gaz là parce que sinon je serais jamais rentré. Attends, GPS tu me dis quoi? Droite. On va pas se faire avoir comme une fois. Putain mais. Putain. Casse.
ça part en travers. C'est bon ça. Grosse grosse marche. Allez. On va se réconcilier là parce que. Vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah, les cailloux ils sont quand même bien fat hein. En même temps, je regarde le GPS pour être sûr que je suis sur le bon chemin. C'est pas évident. Je regarde devant et sur le GPS. Hop. Droite. Là, c'est bon. Allez, bam. Alors, attention, hors parcours, qu'est-ce qui est en train de me chanter hein? Putain, ça m'agace. Putain. Je crois que je vais l'appeler la ronde de la galère, celle-là. Hein. Putain, ça me pète les... Il n'y a pas intérêt de l'avoir, celle-là. Qui se fait à l'homme. Voilà. Ça fait du bien de voir un peu le jour là. Ok. Donc là. Ok, allez, retour à la maison. Et quel bordel. C'est sur ça que ça s'achève. La trace que j'ai faite était peut-être bien, mais pas assez précise. Du coup, je me suis un peu paumé dans les chemins. Sur ce, portez-vous bien.